petite case ici en cours de réalisation. Donc, Cillian, le personnage du prochain album, rencontre pour la première fois le personnage féminin prénommé Isa. Et donc, il ne veut pas dire ce qu'il est en train de faire. Enfin, d'un autre côté, c'est visible, il creuse des trous. Et donc, ici, il est vu avec le soleil face à lui. Et d'un autre côté, j'ai pas très envie de mettre une ombre sur son visage. Le personnage qui est en face de lui est plus haut. Pourrait être pas mal, mais à partir du moment où je le fais, je ne sais pas faire marche arrière. Alors que si j'attends, peux peut-être prendre une meilleure décision dans 1 heure ou dans 2 heures. Voilà. Sternocleido. Mastoïdien. Je pourrais faire ça autrement, évidemment, mais je veux dire, par là que je pourrais me passer de le faire à l'aquarelle. J'ai essayé d'autres techniques, mais en termes de plaisir pur, le compte n'y est pas. Donc, il faut assumer son choix. Voilà, restera le nez. Et pour le nez, les yeux et tout ça, toutes ces parties plus fines, alors je repasse avec un petit crayon rouge pour ramener de la vie. Il y aura du rouge dans les pommettes, peut-être un petit peu ici sur le nez. Maintenant, il reste à passer les cheveux. La difficulté, c'est de se souvenir de ce qu'on a fait dans les pages précédentes pour garder une constance dans la couleur. Bon, première base ici, l'idée c'est de me faire une couleur déjà marquée pour les cheveux, susceptible d'être amendée peut-être soit par un retrait par la suite, soit pour obtenir des zones plus claires, soit éventuellement à la gouache blanche si je veux des reflets. Pas perdre non plus de vue le côté négligé du personnage. Il transpire, il a chaud, il a travaillé toute la journée, il est suant. En gros, pas très séduisant. Et c'est ça qu'il faut aller chercher
C'est bien joli d'être précis, mais il faut pas que la précision écrase le dessin en fait. Tas de sienne brûlée pour la peau. Gris de peine, sépia pour les noirs. Donc on se dispense de mettre de l'encre de Chine. Alors la barbe, qui va être un mix de bleu et de vert, très léger, un gris. Travaille un petit peu l'estompe. Le but n'est pas nécessairement d'être hyper réaliste, c'est simplement de suggérer le côté effectivement négligé mais heureux du personnage en fait. Donc à l'aquarelle, on peut mettre des sombres. Surtout que le papier a déjà été humidifié. Ça, ce sont des choses qu'on peut légèrement reprendre par la suite. On peut très bien se passer de rajouter des détails, parce que quand ils n'y sont pas, on ne se pose pas la question de savoir s'ils auraient pu y être. Mais bon, si je mets ceci par exemple, un coin de l'œil. Il y a toujours des questions à se poser en fait sur ce qu'on fait comme travail. Jusqu'où doit-on aller? Tout ça pour des gaz qui vont être lus en quelques secondes. Les cheveux sont secs, donc on peut peut-être passer avec du sépia et du tas de sienne brûlée pour aller chercher l'ombre derrière l'oreille. Personnage, les yeux marrons. Dessinateurs ou dessinatrices ne font pas la couleur des yeux, ne mettent pas la couleur des yeux. Moi, j'y suis très très attaché parce que c'est aussi ce qui nous définit en tant qu'humain. Bon, je suis assez content de ça. Faut-il assombrir encore peut-être un petit peu ici autour des cheveux qui sont sous la casquette et finir à zéro pour garder une partie de la lumière ici. Ça aide à discriminer un petit peu le personnage. Mon obsession est toujours d'être clair, moi. Donc chacun ses choix. Je vais assombrir ici. Reprendre un petit peu de
bleu de cobalt. Et venir ici rajouter de l'ombre. Sachant que le ciel lui reste très, très clair. Ici, j'ai la partie plus sombre de la transpiration sur la casquette. Ne pas oublier le kaki du t-shirt et l'ombre de la tête sur le t-shirt. Tout faire de l'ombre partout, mais alors ce serait beaucoup trop chargé, et même si ce serait juste. Bon, bande dessinée, c'est quand même l'art de la suggestion, j'en mets déjà beaucoup. Je vais faire un éclair dans le pli, le reste peut être dans le coin, ça soutient. Nous avons encore de la transpiration ici. Et là. L'ombre du t-shirt sur la clavicule qui se détache. Là. Puisqu'il est en train de creuser. Un peu de terre. Je vais mettre ça. Même avant un peu dans le visage, ce sera un peu plus mal, mais c'est le genre de choses que je fais toujours après parce que j'ai peur de me tromper.